longtemps. La femme promesse longtemps va respecter. Et me prévoit un jour qu'elle te gagne pour te dire qu'elle pas jamais parler. Parce que me connais son nèg qu'on s'allier. Et puis tout, moi capable dire l'autre bagaille. Gen moun que Pierre Espérance sorti note sur eux, sorti rapport sur eux. Li traité des bandits, m'ba nous garanti. Qu'elle traité des kidnappeurs, nous même qui là nous pas connaît. Mais moi-même moi t'a vivre dans même série là avec toi, moi rete quoi que nous capable plus faire confiance parce que Pierre Espérance. Nous pas reconnaître nos messieurs relé Clifford H. Brandt. Nous connaît arrêter le pour question kidnapping. Si nous elle nous capable courir, eh bien moi même moi fait 10 ans bon côté. Moi pas dit nous qu'elle pas kidnapper. Ça c'est dossier. Mais moun qui m'tap vivant dans prison, moi t'ai dit mon choix quand ça passé. Moi songe Pierre Espérance sorti rapport qui dit dossier Brandt. Eh bien, tout le monde connaît comme un kidnappé. Moi-même, m'a fait entendre dialogue avec Pierre Espérance. Moi, mettez téléphone sous speaker pour me faire une fois entendre conversation avec Pierre Espérance. Nous reconnaissons, monsieur, vous l'avez dit. Que Pierre Espérance fait tout le monde connaît. C'est mauvais monde, c'est criminel, kidnappé, dit les drogues. Eh bien, là, nous vivons contre le monde. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas mauvais monde, mais nous sommes capables de faire comparaison toujours. Parce que moi-même, qui t'ai fait 10 ans en prison, sincèrement, en vérité Dieu, je me sens plus confortable que Clifford Brandt sur la famille et Pierre Espérance. Je n'ai pas besoin de connaître si vous avez fait ou si vous n'avez pas fait. Mais les gens qui me comparer avec Pierre Espérance, pour ça qu'elle a fait, pour les gens qui ont détruit, moi-même, je me sens que je suis fait les gens qui dit qu'ils kidnappent, les gens qui ont arrêté pour kidnapper, je suis en pile qui est honnête passé. Mais qu'on en pile qui est honnête. Parce que yo même tout, y a suivi action monsieur, yo senti que yo pote ko jam sal lan vi yo, yo estime c'est le yo même, Pierre Espérance, ça le passe. Donc, n'a pas avancé. Pour qui raison, n'a pas 9, non 8, Pierre Espérance dit comme ça, li ouè mwen yon fwa nan prison. C'était 2 ans après libération ke li ouè mwen. Chaque samedi nou, m'a vini avec preuve et archive yo la tout parce que c'est pas une institution ti bagay privé. C'est bagay l'état, nous connaît prison pa ka menti la dan. C'est bagay ki privé. Donc nous même qui là si nous entrons dans prison là ouè yon moun. Même que nous t'a gardé, nous t'a oué, yon pas faire photo nous, eh bien, archive yon là, le jour que prison t'a décidé de te inviter un tel, depuis prison en vle, la paix de lumière faite dans le dossier ça. L'em te gen 2 ans en prison, moi pas trouvé m'en prison civile à Kaye. Pierre Espérance dit que m'en prison à Kaye, m'te gen 2 ans en prison. Moi arrêté 1er juillet 2013, le 5 juillet 2013 me transféré dans prison civile Croix des Bouquets. Le 6 juillet 2013 me transféré dans prison civile à Kaye. Le 23 novembre 2014, moi retourné dans prison civile de Port-au-Prince. Également pas qu'on gagne des en prison. Moi pral gagne des en prison 1er juillet 2015 qui prend pénitencier national. Si nous allons dans le greffe, le numéro dossier Abdil, nous avons pas enregistré dans la prison civile à Kaye, dans la date que Pierre Espérance dit. Nous avons avancé pour nous dire 10. Je voulais expliquer la presse. Pour qui raison? C'est après 10 ans, je suis resté jugé. Je vais dire qui ça qui te cause ça. Moi, je suis jugé après 10 ans, c'est parce que, après que le juge d'instruction a fait une ordonnance sous 9 mois, le juge d'instruction a joué que moi, Chelson Sanon, moi, pas qu'on tout le monde, moi, pas qu'on vende drogue, pas qu'on porte drogue, et je n'ai pas aucun lien avec ni Joseph Lambert, ni Edo Zeni, ni Jackie, ni Joël Kaouli. Littéralement, ordonnance, côté qu'elle était blanchi autorité, mais moi-même, je te vois juger devant tribunal et sans, avec sans assistance des jurys,
pour déclaration calomnieuse et association de malfaiteurs. Ma précise pour nous, je ne pas faire droit. Mais après 10 ans en prison, si je ne pas faire mon petit bagaille, je vais sortir en pile. Et je dis nous ça, élève lycée, pas égal. Nous avons pris un piège, mais nous ne sortons pas. Nous sortons dans le lycée Péchina Japon. Là, on dit pour juger pour association de malfaiteurs et déclaration calomnieuse, c'est parce que le juge l'a estimé qu'il m'a fait mentir. Mentir qu'il m'a fait, je n'ai pas dit qu'il m'a fait faire un bagage. Je n'ai pas dit que le sénateur Lambert m'a fait faire un bagage. C'est parce qu'il m'a mis signature sur un document. Le document, ça c'était piégé, j'ai été piégé. J'ai dit que c'est un asile politique, mais c'est un blanc. Toute autorité n'a pas gardé la plan pouvoir. Depuis qu'on sent qu'on a en difficulté, pas que l'autre bagaille ait besoin qu'il y ait asile politique parce que l'asile là, on est avec toute famille. Moi, je me détends de l'asile, je me dis que Lambert, tout le monde, Lambert, c'est yo dit nous c'est baron, si c'est papa tourné. Et nos ennemis, c'est plus gros autorité au point de vue économique dans le département sud-est. Donc, on n'est pas d'accord avec nous, on n'est pas besoin. Tout le monde a besoin, il était un imbécile, pas de monde qui aime l'amour. Je me dis que je pose un signatif. Et je suis le premier monde qui signe un document, c'est comme ça que je suis. Nous avons un ancien sénateur, Steven Benoit, qui a signé un document en appel de Dil Batlin. Pour que ça soit moins cher son talent, on va être journaliste pro-RNDDH, pro-Pierre Espérance, a dit pour qui ça me Batlin. Je n'ai pas de niveau Steven Benoit. Steven Benoit a un niveau passé. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, n'importe qui est capable de faire, ça dépend des circonstances. Là. Ok? Eh bien, association de malfaiteurs, juge l'a estimé, c'est parce qu'elle estime pas faire le coup contre moi. Juge l'a estimé que moi te accompagné des organisations et document titré RNDDH, moi fait association de malfaiteurs ça avec RNDDH. Égal la pour nous juger. Dans le langage prison, les gens qui ont été avec vous, donc le thème juridique lui-même, il dit association de malfaiteurs, qui lui dit accompagné d'eux. Mais en dans prison, il y a le frère dossier. Pierre Espérance, tu as supposé frère dossier, et puis tu as supposé minoter pour ça avec moi, pour nous juger devant le même juge, pour déclaration calomnieuse, c'est ça que fait, il dit association de malfaiteurs. C'était Pierre Espérance qui t'a fait poser signature sur le document et c'est directeur exécutif RNDDH. Pour vivre quelques associations de malfaiteurs la donne, Pierre Espérance, Père Poséa, lui courir utiliser pour voir quelqu'un en dans justice là, lui bloquer Poséa parce qu'il était supposé juger depuis 2014 après ordonnance. Depuis juillet août 2014, il était supposé juger. Lui dit non, dossier en appel. À la bouche seulement. Sans aucun document qu'elle était capable de présenter, lui dit que dossier en appel pour la cour d'appel tonne. Oui, que même, je ne suis pas un avocat, nous sommes un petit pauvre malheureux et c'est lui qui a imposé mon avocat. Et puis tout le monde fait 9 mois, privé de famille, battre pour contact la famille, pour saisir un cabinet d'avocat pour moi. Mais ça, c'est un monde qui t'a tout fait. Nous connaissons les besoins de coup de fil pour la famille. Directeur prison à lui-même. Il est tout composé 37 76 21 01 pour moi, qui c'est le numéro Pierre Espérance. Ou bien tout est tout composé numéro Mario Lengil pour moi, qui c'est 37, combien encore 80, 37 28 44 66. C'est des gens qui ou bien vous composez numéro ambassade là. Je n'ai pas accès à la famille, je ne peux pas dire qui numéro non. C'est presque même genre avec un monde kidnappé, c'est seulement et kidnappeur là qui capable qui compte qui monde voudrait le ou pas gain droit à téléphone. C'est comme ça le dit.